Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici quelques événements à noter pour cette semaine. La 8e édition du festival Open Spirit a lieu cette année à la salle des fêtes d'Écueillé, dans l'Indre, le samedi 17 et le dimanche 18 novembre. Un festival pour chanter, louer, adorer. Au programme le samedi, concert de louanges dès 16h, soirée témoignages et adoration à partir de 23h. Le festival se clôturera par la messe, célébrée à 10h30 le dimanche. Retrouvez le festival sur le blog http://festivalopenspirit.jimdo.com. Une initiative pour les étudiants et les jeunes professionnels de l'Hérault. Une marche est organisée le dimanche 11 novembre à Saint-Guilhem-le-Désert, près de Montpellier. Un moment de partage, de prière et de préparation en vue des Journées mondiales de la jeunesse de Rio. À l'issue de cette marche, Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, célébrera la messe à 18h30. Informations et inscriptions au 06 73 68 40 71. Le cardinal Paul Poupart, président émérite du Conseil pontifical pour la culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, donnera une conférence le jeudi 15 novembre à 19h30 au Cercle culturel de l'Oasis, rue de Sèvres à Paris. Il partagera ses souvenirs du Concile Vatican II. À cette occasion, le cardinal recevra la distinction honorifique de l'Étoile de l'Europe pour la paix et la réconciliation entre les peuples. À l'occasion des visites ad limina des évêques français et au moment où s'ouvre l'année de la foi voulue par le pape Benoît XVI, l'Institut français Centre Saint-Louis à Rome accueille tour à tour les trois cardinaux résidentiels français pour réfléchir sur la place et le rôle du fait religieux dans la France d'aujourd'hui et de demain. Le lundi 12 novembre à 18h, le cardinal André 23, archevêque de Paris, donnera une conférence sur le thème de la famille. Jusqu'au 21 novembre, la Galerie Bansard propose l'exposition « Myriade d'anges », une exposition de toiles, d'icônes et d'enluminures qui mettent en scène des anges. Une conférence du père Philippe Rouillard autour du thème « Que savons-nous des anges ?» vous est également proposée le samedi 14 novembre à 19h. Renseignements supplémentaires sur le site www.galerie-bansard.org. La Compagnie de la Reine joue la pièce de Paul Claudel, L'annonce faite à Marie au Théâtre Montansier de Versailles à partir du jeudi 15 novembre et jusqu'au 23 décembre à 20h30. Une soirée de discussion autour de l'œuvre, du théâtre et de la foi vous est également proposée le jeudi 29 novembre. Informations et réservations au 01 39 20 16 02. Et si vous souhaitez passer une annonce dans notre agenda, alors écrivez-nous à l'adresse email agenda@kto.tv.com ou bien à l'adresse postale qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et nous écoutons les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, un extrait de l'album « Soyons dans la joie ». Bonne semaine à tous !